Allez, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Magny-Cours pour cette course numéro 1 pour ce qui concerne la Renault Clio Cup. On est très heureux, évidemment, d'assister à cette épreuve parce que l'indécision est encore totale pour les résultats finaux qui seront ceux que nous vont nous accorder cette épreuve remarquable. Encore une fois, on a vraiment passé un moment et c'est loin d'être terminé. Et fort heureusement, absolument éblouissant avec toute l'équipe de Renault Sport Racing dont on aperçoit quelques composantes. Benoît Laugier, qui est le directeur commercial. On a bien sûr également Tariq, qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs sur le podium, Tariq et Saïd. Et puis toute l'équipe d'encadrants techniques, sportifs, tous ceux qui vérifient que tout le monde est tout simplement dans les clous. Et j'espère évidemment que ce sera le cas aujourd'hui. C'est une épreuve très très importante, cette première épreuve du week-end de l'Over Magny-Cours. Et on va bien sûr évoquer la grille de départ dans quelques instants, sans oublier de saluer nos consultants qui sera pour l'occasion une consultante. Bonjour Marianne Allais. Bonjour Jacques. Alors dites-moi un petit peu, même beaucoup si vous le souhaitez, quel est votre rôle au sein de M4W? Alors mon rôle, je suis fondatrice et mon objectif c'est de mettre en avant les femmes dans le sport automobile. Donc toutes les actrices, qu'elles soient mécano, ingé, pilote, copilote aussi quand on est en rallye. Voilà, c'est vraiment mettre un maximum de femmes en avant. Parce qu'aujourd'hui, ce sport a besoin de se féminiser et a besoin de femmes. Donc voilà, ça fait bientôt 5 ans que j'ai officialisé M4W, 10 ans que je sillonne un peu tous les championnats pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai eu un peu pris, on va dire, presque toutes les casquettes. J'ai eu essayé aussi d'être pilote, voilà, sur ce circuit d'ailleurs l'an dernier, en Twingo, et c'est plutôt fun parce qu'on se rend compte aujourd'hui que être pilote, c'est un réel métier, et c'est vrai que je sensibilise beaucoup de gens en leur disant de faire des stages, de justement s'entourer de bonnes personnes, de coachs, et de partir sur de bonnes bases pour évoluer. Alors l'évolution du côté féminin, il y a du boulot, hein. Vous avez trouvé de quoi faire, parce que pour l'instant, il n'y a pas de femmes. Il n'y en a pas de femmes, donc je ne m'ennuie pas. Voilà. En tout cas, merci à vous. Franchement, du côté de Renault Sport, justement, on a souhaité vous avoir à nos côtés pour avoir votre avis sur cette épreuve et voir à quel moment on pourra intégrer de véritables pilotes, pas qu'il y en ait des fausses d'ailleurs, mais simplement des femmes capables d'aller battre les garçons. Tout en gros, à fait. C'est ça. Il y en a. C'est une très bonne formule de promotion et c'est vrai que moi j'encourage les pilotes de karting pour celles qui justement, parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles, il y a celles qui veulent partir en monoplace et qui rêvent de F1 et il y a celles qui aiment tout ce qui est GT et comme je dis aujourd'hui, il faut quand même rester terre à terre. Avoir les pieds bien bien cloués au sol et se dire qu'aujourd'hui il y a d'autres formules de promotion. Le sport automobile reste un sport qui est coûteux, donc moi je trouve que la Clio c'est très bien, justement c'est une bonne école. Je parle par rapport à mon expérience, mais d'avoir fait la Twingo l'an dernier, certes c'est des petites voitures mais ça apprend énormément à avoir de la force comme je dis dans les bras parce qu'il faut tourner le volant de ces voitures. Donc c'est une très très bonne école et justement je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de femmes et pourquoi après le kart, il y a une sorte de blocage, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses en karting et en voiture, d'un seul coup, c'est un peu le vide. Non, mais ça, c'était avant. Ah, oui, c'était avant. Donc, on va travailler dur pour essayer d'en ramener. Ça va changer. Puis franchement, je pense que le geste dont vous avez été témoin hier à l'occasion, ou plutôt ce matin, de la part de Renault Sport, il est clair. Tout simplement, en 2020, on a décidé de faire cadeau des engagements. Alors, ça peut paraître rien de comme ça, mais c'est quand même un billet de 10 000. Et voir un peu plus pour cette saison. Alors, toutes les femmes qui nous écoutent, voilà, préparez vos chaussures de pilote, vos combinaisons, vos casques. L'année prochaine, etc. Venez défier les hommes. Exactement. En Clio Cup. Et vous serez les bienvenus. Ceci dit, on ne va pas occulter celles qui l'ont fait et bien fait. Bien entendu, quelques-unes d'entre elles que vous connaissez. Et oui, tout à fait. Il y a eu Adeline, que je suis maintenant sur la partie monoplace, qui est une très bonne pilote, justement, qui est très terre-à-terre, qui a fait les choses dans le bon ordre, qui a fait du karting, qui a fait ses preuves en karting, qui est venue en Clio Cup et qui maintenant est en Formule Renault. Donc, c'est top. Et puis, c'est un parcours où, quand on rentre dans ce sport, comme dans tout sport, il ne faut pas passer du coq à l'âne, il faut faire les choses dans l'ordre et en principe tout se passe bien. Écoutez, j'espère que ça se passera bien pour ceux qui sont en piste aujourd'hui. Exactement, et on sait encore une fois, lorsqu'on arrive à ce moment du championnat, c'est un moment crucial, d'autant que les espaces se sont réduits comme peu de chagrin depuis quelques épreuves maintenant avec un certain David Pouget qui a mis les pendules à l'heure, et Dieu sait s'il l'a bien fait, qui a repris complètement la totalité pratiquement du retard qu'il avait accumulé sur derrière un Gundelfel, qui reste une redoutable fine lame de cette discipline évidemment, et notre ami Dorian qui
non seulement est dans le match, mais va se concentrer. C'est un des plus jeunes du plateau. Il a déjà remporté le championnat junior. Et donc, il a été gradé tout simplement parmi les pilotes du scratch. Et il le fait avec beaucoup d'équilibre. Hein. C'est vrai que c'est un pilote qui est redoutable dans sa façon d'aborder les courses. Il a beaucoup d'attaques, peut-être un petit peu moins d'expérience que des gens comme David Pouget ou Nicolas Milan qui vient de s'échapper maintenant pour le tour de chauffe. Et on va décrire cette grille de départ naturellement. Il a réalisé la pole. Alors là, c'est un sacré champion. Ce que l'on doit préciser, Marianne, également, c'est qu'il s'agit d'un championnat double là pour cette épreuve de Nevers-Manicourt. On a le championnat français et le championnat ibérique, championnat espagnol, qui est un cousin en quelque sorte du championnat français, puisqu'on a beaucoup de pilotes qui, d'un côté ou de l'autre de la frontière, bien franchissent les Pyrénées pour venir se comparer à ce qui reste évidemment une des références, c'est-à-dire le championnat français. On voit cette grille de départ barrée à l'avant par deux pilotes du Nicolas Milan Compétition, du Milan Compétition plutôt, Nico bien sûr, on l'a décrit tout à l'heure, et Anthony Jurado, victorieux de la course 1 à Nogaro cette saison. On s'est dit, oula, Anthony, il va être terrible. Il l'a été, certes, mais pour l'instant, il faut qu'il accumule des points, qu'il retrouve de la confiance. Il est bien parti pour cela dans cette course. Derrière, ça va très fort également pour Thibaut Bossi, le pilote à la voiture numéro 85 qui s'inscrit au troisième rang. Il a devancé Luis González. Alors ça aussi, pour nous, ça a été vraiment une révélation cette saison. Le jeune González a engagé en junior à la fois sur le championnat ibérique et sur le championnat français, qui à chaque fois performe, sauf peut-être sur quelques épreuves de la saison où il a manqué un petit peu de régularité. Et je pense que là, ici, il a trouvé un terrain de jeu tout à fait à la hauteur de ses espérances, de ses ambitions. Le voilà, ce duo, Marianne. Et c'est là qu'on va tourner nos regards, évidemment, oui, avec les furieux Warrior de la ligne numéro 4 avec 3, pardon, avec du côté de la cinquième position tout bonnement Dorian Gundelfels, le numéro 47, redoutable, hein, c'est pas facile évidemment d'imaginer ce qui va pouvoir se passer au moment de la phase de départ, parce que David Pouget a une expérience grande comme ça, avec une ambition qui n'a d'égal évidemment que cette double implication en France et en Espagne. Il aura d'ailleurs peut-être, qui sait, à faire un choix entre les deux championnats, puisqu'il y a pour l'instant concordance de date pour les finales. Mais je pense qu'on va travailler chez Renault justement pour essayer de décaler cette date espagnole et pour faire que chacun des pilotes français, ils sont quand même assez nombreux, puissent participer aux deux meetings. Un petit peu plus loin, naturellement, on dit, au niveau de ces outsiders, on peut les qualifier de cette manière, bien que David Pajot soit le leader également de la catégorie gentleman, eh bien, occupe une excellente position. Hier, il était bien, certes, mais il était un petit peu déçu par cette présentation du rouge pendant les libres. Ce matin, pareil, ça partait mal. Il a réussi à arracher un bon tour. Et ça a suffi pour le mettre dans les tout bons. Il devance Guillaume Savoldelli. C'est du solide là pour le team TB2S. Guillaume qui fait partie des favoris. Il adore cette piste. On a pu le constater à l'occasion des séances d'essais libres. Coco, c'est Corentin Thiers qui va s'élancer avec les couleurs du Thiers Racing depuis la position suivante. On est déjà au 9e rang. 10e position pour Alexandre Albouy du GPA Racing. Stéphane Oriacombe s'élancera avec statut de gentleman, mais également un scratch 11 qui est plutôt engageant. Autosport GP avec toute l'équipe de Gilles Zaffini partira avec la voiture numéro 12 sur sa voiture numéro 98 sur la 12e position de la grille de départ. Nous retrouvons ensuite Jordi Palomeras, le pilote espagnol pour le GPA Racing. Matteo Poloni, l'italien, avec les couleurs du T2CM. On retrouvera également, bien entendu, Mathieu Lannepoudinx avec le Milan Compétition. Autosport GP avec Manu Raffin. James Ross, alors là, on s'est un petit peu planté. Je me suis un petit peu planté sur les prévisions. Bon, on va suivre la performance du jeune britannique qui a, ben, à mon avis, un potentiel énorme, tout simplement. 18e sur cette grille de départ. Et GPA Racing pour deux autos ensuite. Celle de Guy Cunil, engagé en Espagne en amateur, et celle de Kevin Gymnast, assez loin avec le dossard numéro 72. Thiers Racing pour Julien Paget, Lionel Viguier avec le TB2S, Raphaël Trainer, Bordagaray, Daros Alio et Joachim Rodrigo complètent cette grille de départ. Vous voyez qu'elle est full complète, c'est joli. Elle est full, c'est très très beau et on est quand même sur un ancien circuit de F1, donc c'est beau d'être ici. Exactement, et plus que cela, même, c'était encore plus vrai il y a quelques semaines également, c'était dans le cadre justement du Grand Prix de Formule 1 du Paul Ricard où l'Open a été invité, et je peux vous dire qu'il y a eu un succès retentissant. Tout à fait, oui. Pour la promotion de notre, oui, de notre catégorie, de notre discipline, parce que les gens se disaient, bon, la F1, ok, on est venu pour ça, mais la Clio, ils nous ont fait un show absolument énorme. C'était beau à voir. C'est parti. Si. Alors, qui va s'arracher? Alors, Nicolas Milan, hein, c'est presque un pléonasme. Lorsqu'on dit qu'il réalise un hot shot, eh bien, c'est fait. Ouais, alors que ça souffre pour celui qui partait à ses côtés. Il a dû céder une position, Anto Jurado. Donc, qui est-ce qui a réussi à s'extraire? C'est Thibaut Bossi, je pense, qui a saisi l'opportunité. Une voiture qui tire tout droit et qui va aller jusque dans les pneus. Et ça tape fort.
ça tape fort. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'à cet endroit, ça va déjà très très vite. Un bon départ de David Pajot. Regardez, David, c'est cette voiture, c'est la numéro 28. Et là, bien sûr, on va être sur le régime de jaune et surtout un tout petit peu inquiet, on va l'avouer. Safety car déjà. Ah là 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 là, départ. Dès le début. Et à peine un tour de fait. Et c'est le numéro 3, c'est Louis. Ah, malheureusement, et Louis, ok, ah, ça c'est le principal, le reste finalement n'a que peu d'importance, mais regardez la désespérance de l'Ibérique, on est très 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 déçu, on a eu l'impression que quelque chose ne marchait plus sur sa voiture, là il est parti absolument tout droit dans les pneus. Ouais. C'est impressionnant. Bon, alors il peut avoir également perdu l'adhérence sur le train avant, mais il est parti tout seul, hein. Je crains que là, vraiment, il y a eu un souci, je ne sais pas, Simon, si vous en pensez, peut-être les pinces de frein qui n'étaient pas tout à fait à leur bonne position, en tout cas, ouf, on s'est fait peur un petit peu, hein, pour être franc, mais le pilote est ok, c'est vraiment tout ce qui compte. On voit que l'avant de la voiture a souffert, mais pas plus que cela. Je pense que le problème est ailleurs, hein, certainement, vraisemblablement, en tout cas, sur ce système de freinage. On salue du coup, je pense qu'on aura l'occasion de le faire également pour parler de la transition vers la Clio numéro 5, parce que finalement, nous vivons ici le pénultième meeting avant l'arrêt de cette Clio 4, et nous aurons le plaisir, nous avons eu le plaisir déjà de découvrir cette Clio 5. Vous êtes beaucoup arrêté sur cette Clio 5. Oui, je trouve, Marianne. Très bien justement de pouvoir l'ouvrir, enfin que ce soit une voiture qui sera la même sur les trois catégories différentes, en RX, en rallye ou justement au circuit. Ça permet d'avoir une voiture homogène et elle est très jolie justement. Ouais, donc, elle est très fine, elle a été faite. Et on a parlé avec Pierre Sansinena qui est évidemment un pilote émérite de GT4 dont il est champion d'Europe tout simplement. Mais Pierre, c'est aussi un ingénieur, c'est aussi un metteur au point, c'est aussi un pilote de très très grande qualité, plus un homme qu'on apprécie particulièrement, qui nous disait hier, mais voilà, j'ai roulé avec, c'est une voiture très très plaisante à conduire. Bien sûr qu'il y a encore un petit peu de mise au point, mais le travail réalisé par les ingés de chez Renault Sport a été remarquable sur la liaison au sol, cette fameuse liaison au sol qui procure tout ce plaisir-là. Et c'est peut-être pas ce qu'est en train de se dire Luis González. Ouais, on a l'impression qu'il y a eu un souci sur... Ah, il aurait crevé, ouais. Ça expliquerait ceci, expliquerait cela. Et une crevaison qui a dû être rapide en plus. La pression s'est échappée très très vite. Donc il a perdu complètement sa voiture. Bon, encore une fois, on est hyper rassuré. Il devait être dans le contact, à mon avis, justement au départ. Et... très très possible, hein. Ça peut arriver tout simplement sur les phases de départ, et là on voit ces zigs et ces zags qui sont faits pour garder les Michelin en température. Et encore une fois, super start de David Pajot. Oui. David, tiens, il faut s'appeler David en ce moment, hein. C'est David Pouget également, auteur d'un très très bon départ, quatrième à l'issue de ce passage. Alors du coup, quand on parle de David Pouget, on a envie d'aller voir ce qu'a fait Dorian Gundelfeld. S'il a fait un départ plus prudent, mais à mon avis plein de bon sens, ne pas forcer les sauges, c'est important, alors qu'on voit Bordagaray peut-être qui serait en difficulté sur la pitlane actuellement. Il est revenu en arrière, avant de partir. Donc... et ça va partir, Marianne. Oui. On va pouvoir à nouveau avoir le plaisir et l'avantage. De regarder cette course. Ouais. Et on va être très très vigilant, hein, sur nos analyses, parce que c'est jamais évident. Et on voit les pilotes du safety car qui se tournent dans les rétros pour voir si c'est bien le bon bonhomme qui arrive derrière. C'est bel et bien tout simplement Nicolas Milan, voiture numéro 1. Et bon start également d'Anto Jurado qui a dû céder à Thibaut Bossi. Il y a eu alternance donc sur cette ligne numéro 2. Elle est toujours sous safety. Alors on sait que les relances s'effectuent dès qu'on a passé un panneau qui est dans la descente avant le virage du lycée. On va pas jouer à l'écran. Alors bien sûr qu'on va également évoquer la position des rivaux qui sont les siens, c'est-à-dire ceux en particulier en gentleman. J'ai l'impression qu'il en manque quelques-uns tout de même, puisque j'ai beau chercher et je n'aperçois pas pour l'instant la voiture numéro 63. Si, il est là, heureusement. Hein, c'est Stéphane Oriacon, Mika Carré est bien là, Manu Raffin également. Bon, c'est ceux qu'on a l'habitude de voir en toute première position dans cette catégorie pour les plus de 40, hein, ceux qui sont quadra et qui sont encore extrêmement vite. Alors on peut être quadra et ne pas être admis en gentleman, il faut le savoir tout de même, si on juge que la vitesse du pilote en question est trop importante. C'est le cas de David Pouget qui en a dit non, toi tu vas pas aller faire collection de trophées. D'ailleurs, je pense qu'il s'en fiche un petit peu, c'est pas son objectif principal. Ce qu'il veut, c'est le titre, et pourquoi pas les deux. Et à l'écran, James Ross, le pilote britannique, le jeune, plein de talent, encore une fois. Pour l'instant, ça ne marche pas. J'espère que pour lui, on va trouver des solutions. Petite anecdote, tiens, en passant, c'était à Valencia il y a quelques semaines de cela, pour une course open également dans le cadre des ELMS. Et c'est toute l'équipe de Renault Sport qui a passé la nuit à remonter sa voiture pour qu'elle puisse participer. Restart, c'est reparti. Ça y est. Allez, Nico Midan
sur le vibreur. Là, faut pas trop en faire tout de même. Hein. Faut pas trop bousculer la voiture. Mais oui, bah, au final, par contre, on la bouscule un peu. Voilà, il passe dessus. Allez. Mais voilà, il y en a même qui sautent. Ah, c'est à chaque fois impressionnant. Bon, ça peut ne pas arranger les trains roulants. Hein. Faut faire quand même un peu attention de ne pas crever également. Ça peut être rédhibitoire pour la suite. Par contre, regardez Jurado qui est en train de proposer une attaque imminente sur Thibaut Bozzi. Anthony Jurado qui veut rester dans la roue de son boss, j'imagine, hein, parce que là, ça peut l'amener et le conduire, pourquoi pas, vers une victoire. Et Thibaut Bozzi, hyper, hyper vite actuellement. On va bien sûr également regarder les records du tour qui vont tomber. Corentin Thiers, qui a pris un très très bon départ, il est 5e, Corentin, et Guillaume Savoldelli qui a pris un bon start également. Allez, premier freinage, on va garder la corde pour essayer pour Nicolas Milan de déjouer les envies, les ambitions légitimes de ce trio de furieux derrière, avec on le voit, David Pouget qui a recollé à la fois bien entendu la voiture de Thibaut Bossi, à la fois également celle d'Anthony Jurado, et Anthony qui va essayer d'aller chercher Thibaut Bossi juste à l'entrée du Nürburgring, et ça passe, joli. Oui, très joli, très propre, et au final c'est passé, donc c'est ça qui est beau à voir dans le sport automobile. Ah ouais, parce qu'on se régale évidemment de voir les autos de près, de loin, peu importe, mais c'est vraiment les dépassements. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marianne. Ah si, c'est très beau à voir. Et puis bah, voilà, aujourd'hui, avoir des aussi beaux déplacements et que ça soit aussi propre et que justement personne ne se mette dehors, c'est de ça qu'a besoin le sport automobile, et c'est très beau à voir en image. Donc ça fait du spectacle, voilà. On a notre spectacle, mais c'est propre, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accrochage. Et la course continue. Pourvu que l'avenir vous donne raison. Allez, attention à l'attaque de Thibaut Bossi. En fait, c'était l'attaque de David Pouget qui a été contrarié par Thibaut. Ce qui, comme d'hab, hein, profite à un duo de partir. Et lorsqu'on on évoquait tout à l'heure ce barrage Milan compétition, le voilà qui est en train de se produire. Hein. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne vont pas évidemment avoir de vicissitudes particulières, tout bonnement parce qu'ils sont sous la même bâche. Donc autant vous dire que Nicolas Milan va essayer de creuser un petit peu l'écart, ramener Jurado avec lui, essayer de ramener des gros gros points alors qu'une voiture est partie tout droit là. Et oui, il y a eu un tout droit là. Un court-circuit. Et où en sont des pilotes comme Thiers, c'est bien ce qu'il a fait Corentin, 5e position pour Corentin Thiers. Stéphane, il est démonté notre Stéphane, notre toucan. Ouais, regardez les appuis qu'ils prennent dans la première story. C'est impressionnant, les gens ne se rendent pas compte, mais oui, on arrive à lever des roues. Enfin. Et puis il faut être physique, hein, parce que les jets latéraux, il faut pouvoir résister, le casque devient très lourd. Manicourt reste quand même un circuit qui est quand même assez technique. Allez, ligne droite maintenant à la sortie du triple esto, et l'attaque de Jurado, scolaire et bien pensé, bien calculé, alors que derrière c'est autre chose, hein, c'est un petit peu plus chiffon. Et Thibaut Bossi qui résiste encore une fois, David Pouget avec Corentin Thiers qui va se glisser à la corde, et Dorian Gundel, face à voiture numéro 47 qui amène avec lui un David Pajot très bon, Stéphane Orianco, mais un Guillaume Savoldelli plus exactement, qui conclut ce groupe de chasse. C'est en fait dans le deuxième groupe qu'évoluent ces pilotes, Orianco, Pajot. Vraiment les batailles sont parfaites, et puis regardez pour l'instant on a parlé trop. C'est bon, regardez, on part en piste, tout va bien. Il a perdu deux positions, hein. Ça va être dur. Voilà, ça va être dur. Quoique, il retourne à l'attaque quand même, hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais, il vient de sortir, mais on y retourne. Dans la tribu des mêmes papeurs, on a peut-être trouvé le chef. Voilà. Alors que, bien sûr, qu'on va regarder où en est Gundelfeld. C'est ce qu'il a réussi à se sortir de cette encombre. Je ne le vois plus, Dorian. Que s'est-il passé Dorian. Alors là, c'est catastrophique. Catastrophique, mais pas complètement. On ne va pas non plus être pessimiste ni noircir un tableau qui est déjà compliqué, j'imagine, pour Dorian. Et David Pouget, qui est sorti, bien sûr, à son tour, a repris la piste. Et c'est là la grande différence entre les deux situations. Celui qui est en tête du classement, eh bien, va être dans la possibilité totale de remporter cette épreuve, évidemment. Je dirais même qu'il sera difficile pour lui d'accumuler quelques points. Comptablement, c'est pas une très bonne opération, on va le dire clairement. Et on va voir ce qui s'est passé tout à l'heure entre ce pilote-là. Voilà. Alors, je ne sais pas trop à quel moment, effectivement, tout simplement, Dorian a connu ses soucis. Alors que devant Jurado, voilà, Jurado est en train de creuser un écart. Anthony Jurado, très très jeune également, pilote de la voiture numéro 5 aux couleurs de Milan compétition. Et Nicolas Milan, vous voyez qu'il a un œil devant, un œil derrière. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Parce que lui, il va essayer de jouer son rôle de boss, de team manager. Il sait qu'il ne pourra pas avoir le titre cette année. Par contre, il veut amener évidemment des gros points à Anthony. Tout à fait. Et il va protéger cette voiture. C'est une bonne stratégie. Ouais, c'était très intelligent. Et puis, c'est jamais dans l'excès, hein, dans cette équipe. On a connu à l'époque Marc Guillot, qui a été tout simplement un triple vainqueur de la discipline également.
qui roule aujourd'hui un Alpine Europa Cup, ben à chaque fois c'était du boulot de ce type, c'est-à-dire qu'on construisait des qualifications en équipe et on réalisait des courses sans faire barrage. Allez, attention, peut-être un changement. Edwin Trenard me semble bien déterminé là pour cette voiture qui pourrait passer devant les couleurs du victime. Ma foi, bien amené. Hop, et David Pajot qui résiste. Oui, il résiste. Hein. Et là, c'est marrant parce que c'est une belle image également de ce un beau reflet de ce qu'est la Clio Cup. Avec lui, c'est un junior, Edwin Trenard. Et derrière, c'est un gentleman. Donc, vous le voyez, les bastons, on ignore complètement tout cela lorsqu'on est pilote. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais lorsqu'on baisse la visière, il y a un petit bouton qui enlève certains neurones. On déconnecte un peu le cerveau. Et là, pour l'instant, le cerveau est bien, bien, bien installé dans la tête d'Anthony Jurado. Hein. Je pense qu'il est en train de creuser l'écart. Il vient de prendre le meilleur tour en course. Et, Ah oui, en 1,58,3. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça. C'est tout simplement la meilleure performance alors que des voitures sont tentées avec toutes ces explications de dépasser les limites de la route de course. C'est le cas pour la voiture numéro 15 et numéro 16 qui sont tout simplement sous l'œil des arbitres. C'est le cas de Samuel Raffin et de Lionel Viguier, de garçons très sympathiques qui évoluent un petit peu plus loin dans les postures pour l'instant. Et attention, ça revient pour Bossi, ça revient pour Thibaut, Ouané, tout simplement David Pouget. Est-il bien reparti? Je ne l'aperçois pas dans la première page. Décidément, cette course est terrible, terrible. Où en est David Pouget? Où est-il actuellement? Ah ben, ça va, David. Sixième place. Ouais. Il est toujours là. Il était pour toi, là. Il assure. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de réussite en début de saison. Et là, les choses, c'est marrant, ça s'inverse. On y croit des fois à la chance. Ah, mais oui. Alors, à la chance, oui et non. C'est du travail, ça soit en tant que pilote, sur les voitures, c'est toute l'équipe qui travaille. Et aujourd'hui, on peut être justement premier en début de saison. Et voilà, il y a la trêve qui se passe. Et à fin de saison, les choses changent. Donc non, c'est ça qui est bien, de justement pas toujours voir mêmes devant et voir un peu de spectacle. Quand un pilote domine outrageusement, c'est jamais très rigolo, mais là on est loin de tout cela. C'est ça. Et c'est absolument c'est ça qui est bien parfait dans comme la Clio Cup, c'est que c'est du sport et ça change régulièrement, c'est jamais les mêmes devant. Donc, Et on voit l'image d'Orian Gudelfels qui doit pester dans sa voiture, j'imagine, pour lui que évidemment c'est pratiquement remis en question, hein. C'est la relance du titre, enfin de la quête du titre. Ça, c'est évidemment un scénario qu'on avait espéré, on ne va pas le cacher plus longtemps. Parce que les temps sont quand même bons. Voilà, et on sait que, attention, ça bouscule également. Regardez le groupe qui s'est reformé à 3 devant. Alors attention, la guerre va être engagée maintenant pour parler de la position de Thibaut Bossi. Il n'a pas grand-chose à perdre. Il peut évidemment remporter cette épreuve. Il a le talent pour ça. Il a l'équilibre pour cela. Il est aussi team manager de TB2S. Et l'attaque parfaite sur Nicolas Milan. Alors celle-là, fallait la faire. Hein, parce que Nico, il sait se mettre sur la piste pour être gênant et empêcher les dépassements. Bon, cette petite explication a profité à Anthony Jurado qui a pris un peu d'air. Tout à fait. Comme ça, il commence un petit peu à s'envoler devant. Bon, à mon avis, ça va pas durer. Parce qu'il arrive quand même fort derrière. Et quand même super balèze. Et on voit ce temps d'une minute 57 secondes 419 réalisé à l'instant par le dossard numéro 48 au troisième rang actuel. Et belle course, très très belle course du numéro 11 de Corentin Thiers. Hein. On va évidemment ne pas oublier, enfin en tout cas essayer de ne pas oublier ses pilotes. Et derrière lui, Guillaume Savoldelli qui fait une très très belle course également. Guillaume, on répète, meilleur temps de la session numéro 1 des essais libres. Donc on savait qu'il serait à l'aise sur cette piste. Et milieu de piste, hein, position défensive pour le pilote Thibaut Bossi. On perd évidemment un petit peu de temps à ce moment-là. Et c'est en train de revenir également. Et un changement de position, je pense. Peut-être. Voilà. Nicolas est quand même proche. Hein. Il essaye de. Il poussait un petit bout, je pense. Oui, c'est une sorte de pression pour avoir. C'est possible. Alors, bien sûr, hein, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'observer cette bataille. Mais franchement, connaissant Nicolas Milan, on est dans une pleine confiance. C'est pas un garçon qui utilise ce genre de choses. Alors, il le fait, hein, mais avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'équilibre. Et regardez d'ailleurs David Pouget qui est en train de tout éclairer en violet là. Hein. Ça discute pas, ça bricole pas. Et à l'image, boum boum, des explications. Kevin Gimenez, James Ross, ça se passe tout simplement pour ses positions. Hein. 14e position pour le jeune Britannique. Et finalement, pas si mal que cela revenu. Il a amené avec lui Gimenez et Lan Poudin qui font partie de cette explication superbe. Regardez ce qui est en train de se passer. Les deux groupes de tête sont en train de se retrouver quasiment ensemble alors que nous avons dépassé le cap de la mi-course, mais qu'il reste encore 10 minutes, je peux vous dire que tout peut arriver. Tout à fait, tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde et on le sait.
à n'importe quelle course. Alors il y a quelque chose qui va jouer un rôle, Marianne, qui va être important, c'est tout simplement l'évolution des pneus. Hein. Il va falloir compter avec ces sollicitations très très importantes qui ont été celles des pneus avant en particulier. Et il se peut qu'à un moment de la course, ceux qui ont été un tout petit peu plus économes eh bien, se trouvent avantagés. En tout cas, avantage toujours, mais je sens bien Thibaut Bossy. Il me semble que Thibaut a quelque chose de plus sur cette épreuve. Là, il est à la deuxième position. Ça lève la patte, sérieusement. Gros appui dans la première partie. C'est impressionnant à voir. Ah ouais, là, franchement, il faut des bras. Et les femmes en ont, hein, vous me le confirmez. Marianne. Et les quoi ? Les femmes ont des bras aussi. Ah, bah bien sûr. Pour tourner le volant. Tout à fait. Elles en sont capables. Abby nous l'a prouvé hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, absolument vrai. Elle qui a fait un top 3 dans le championnat du monde de kart. Ou elle attaque par l'extérieur. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, à la réaccélération. Et Nicolas Milan, regardez. Milan. Le renard Milan vient de profiter de cette situation. Voilà. Mais il est peut-être sur la relance un petit peu moins avantagé, voyons ça. Et Thiers qui rejoint. Ça y est, c'est fait la soudure et faire avec le jeune Thiers qui va venir se mêler, transformant ce de trio en quatuor. Et pourquoi pas un quintet si jamais Dorian arrive à recoller. Ah là là, Dorian, on l'avait vu loin tout à l'heure, mais je pense qu'il y a eu un problème avec les transpondeurs. Parce qu'effectivement, j'avais aperçu sa voiture et je me disais, mais pourquoi est-il pointé bon dernier ? Bon, heureusement, il est bel et bien toujours là. Et je pense qu'on est en train de rattraper le coup. On est hyper rassuré avec beaucoup de clarté. Un gueule d'Elfes Pouget, la lutte est relancée. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, effectivement, il a fait quelques tours à la queue leu-leu là. Oui. Ouais, certainement un problème. Oh là là, attention au contact avec Thibaut Bossy. Corentin Thiers se rappelle au bon souvenir du team manager qui ne paraît pas très heureux de la situation. Et ça permet à Dorian de reprendre du poil de la bête. Regardez cette image. C'est génial avec David Pouget qui est à l'extérieur. Ce sont les deux animateurs de ce championnat 2019. Et ça va durer combien de temps ça ? C'est passé pour Coco. Hein. Ah, c'est passé pour Corentin Thiers, magistral. Et encore une fois, c'est un retour hein, sur les bonnes dispositions de Dorian. En tout cas, sa bonne position qui a été tout simplement rétablie après ce souci tout à l'heure qui le passait, on le répète, donc à la queue. Mais ce n'était pas le cas, heureusement, sur le site. On avait éventuellement pu dire, bon, mais peut-être qu'on confond avec Guillaume Savoldini. Mais non, absolument pas. Il est toujours là, Dorian. Et c'est la cinquième position pour le pilote engagé en championnat de France. Il est tout simplement le leader de ce championnat. Et on voit qu'il peut encore largement le rester. Je dirais même que si ça en reste là, il ferait une très 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 bonne opération. Et regardez cette battle entre les deux animateurs du championnat. Là aussi pas de souci hein, parce que David Pouget ne va pas tenter être diable. Oulala. Ça se pousse quand même hein, Le freinage. Ils font les choses propres, mais bon, ils se font pas de cadeaux entre eux. Hein. À peu près propre on va dire, mais, voilà. Mais c'est beau quand c'est comme ça. Ils se connaissent. C'est du sport, c'est ils du se connaissent sport très auto, très bien aussi. Hein. C'est important ça. Ils savent très bien de quelle manière va réagir celui de devant. Ça ne sera pas suicidaire de toute façon. Et il est bien là Dorian Gudelfels qui est très très bien, qui a retrouvé le pare-choc arrière de la Clio 4 numéro 11 de Corentin Thiers. Et pour l'instant, ça tient pour Thibaut Bossy. Incroyable parcours. Parce que là, celle-là, il fallait la gérer de cette façon. Par contre, ce qui est en train de se passer, regardez. Sans voler, hein, Anthony et Nicolas sont devant maintenant. Et c'est vrai qu'à un moment de la course, on s'est dit, ça va pas être possible. Et là, puis, au final, ça y est, ils sont bien partis. Et plus de bagarres, c'est vrai, partir du troisième. Et l'attaque de Dorian. Attention. Bon, ça va. Ça va. Il a été intelligent. Ouais. Il a été intelligent très parce qu'il aurait pu forcer les choses. Là. Il aurait pu céder des portes et franchement ça aurait été maladroit, ne serait-ce que pour l'examen qu'on aurait porté sur son attitude. Bravo Dorian, c'est comme ça qu'il faut faire de la course auto. Et du coup, je pense que David Pouget a dû serrer tout ce qu'il pouvait serrer. Parce qu'il a dû dire, oui, là ça commence à se compliquer un tout petit peu. Ah, belle attaque, là on voit les voitures qui passent sur le vibreur, hein, qui sautent littéralement ce vibreur. Il va rester combien de temps ? 5 minutes et 40 secondes, ça reste possible de revenir. Mais on va regarder les temps réalisés par les uns et par les autres. Pour l'instant, le plus rapide en piste, c'est Nicolas Milan, 1 minute 57,9. Les autres concèdent tous quasiment deux dixièmes, pas grand chose, mais bon, ça suffit. Hein. Ce sont les derniers dixièmes qui sont les plus difficiles à acquérir. Et bien sûr que là, ça ne va pas déroger à cette règle. À l'image, on voit Edwin Trenard. Edwin, où en est-il au niveau du classement général ? C'est la voiture numéro 98, on l'a dit. Et une voiture qui est prévenue, c'est la numéro 56 qui doit respecter la route de course. Ouais, notre ami Corentin, il est démonté là. Très très belle course du pilote de Thiers Racing qui a attaqué David Pouget. David
David qui est qui il veut. Lâche pas, hein. Ah ouais, David qui veut prendre le large par rapport à Dorian. Hein. On le voit, mais ça passe pas. Le groupe est très compact, très homogène. Les performances réalisées par les uns et par les autres sont extrêmement proches les unes des autres. Et qu'en est-il évidemment? Et le 85, ah, c'est Thibaut. Thibaut aussi. Thibaut qui est prévenu, attention à la route de course, on vous a à l'œil. Et ça peut être une sanction. Bon, j'espère que non, évidemment. Oula, ça touche pas mal. Ouais. Je pense que David Pouget est en train de dire à Corentin, écoute, là, il faut vraiment que je passe. Je suis désolé. Mais, S'il te plaît, enlève-toi. Ça va passer. Non, mais c'est ça qui est bien, justement. Moi, je trouve que même si ça se pousse, bah voilà, ça permet aussi d'apprendre à bien tenir une voiture et avoir les bons comportements en course. C'est vraiment non, une très très bonne formule de promotion. Il y a de la bagarre, du spectacle. Ouais, et on apprend beaucoup de choses. Vous savez que ça fait plus de 50 ans que ça existe quand même. Hein. Ça avait été inventé par Renault en 1966. Et les gens pilotaient des R8 Gordini à l'époque et allaient au boulot le lundi avec leur voiture de course. Bon, on n'en est plus là, hein. Ça a évolué, bien sûr, les voitures. Malheureusement, oui, ouais. C'est interdit sur route. Alors qu'on a vu David Pouget faire une petite figure là, mais heureusement, ça s'est bien terminé. Et toujours Dorian Gudelfels, David Pouget devant Thibaut Bossi. Oui. C'est en tout cas tout ce que l'on peut imaginer d'objectifs qu'il s'est fixé. Et pour Corentin Thiers, c'est l'assurance d'être maintenant et depuis quelques temps dans le rythme des plus vite. Au scratch, il est vraiment un des plus redoutables, même si on le voit à l'image, eh bien l'écart est quelque peu creusé maintenant. C'est parti pour Thibaut Bossi, l'espérance de podium est en train de se dessiner. Ouais. Pas encore définitivement. Un petit peu quand même à s'envoler. Hein. Ouais. Bon, devant, c'est sûr que... Il va être aidé en stade par cette bataille hein, entre Thiers et Pouget. Ça va l'arranger naturellement. Et Dorian qui est toujours là, très intelligent dans un coup. Figure de coco, c'est magique. Et Dorian, on le répète, donc très lucide et sous l'œil de Guillaume Savoldelli, évidemment, qui va compléter un résultat plutôt intéressant, oui. Voire magnifique pour le team TB2S. Ah, ça passe joli à Dorian, là aussi, hein, c'est un garçon qu'on voilà. A vu progresser au fil. Et où il est passé. Ah ouais, et puis sans contact. Hein, et c'est voilà, très cool. Propre. Et Guillaume Savoldelli qui va essayer de se débarrasser à son tour de Corentin Thiers. Où en est-on au niveau du timing? Eh bien, il reste 2 minutes et 30 secondes. Et bien entendu, on regarde aussi ce qui se passe en Gentleman Oriacan Pajot Carré. Ce serait le classement provisoire du top 3. Du côté des juniors, ce serait Edwin Trenard qu'on a aperçu tout à l'heure à l'écran, qui devancerait James Schwartz, qui est étonnamment revenu. Imaginons bien sûr qu'au-delà de ces positions, ce seront des places d'ailleurs qui ne seront pas prises en compte dans le même championnat, puisque Ross évolue seulement en Espagne et Trenard seulement en France. Donc c'est comme ça qu'on va faire ces podiums. Il y en aura 4 en tout. Hein, donc il y a beaucoup de récompenses qui seront distribuées à l'issue de cette course. Au demeurant, remarquable. Et encore une fois, même si on a déclaré à tort, mais je ne pense pas qu'on en soit responsable, puisqu'il y avait un défaut visiblement sur le fonctionnement du transpondeur de cette voiture qui était pointée dernière, et bien Dorian va faire une méga opération. Parce oui, que c'était quand même pas bien gagné. Remonté, hein, c'était loin d'être gagné. Il a concédé très peu de points à David Pouget. Tout reste éminemment possible pour l'un et pour l'autre. C'est exactement comme ça qu'on avait souhaité que se déroule cette course. Et regardez la bataille pour le gain de la première position en junior. Edwin Trenard, lui aussi un pilote qui est en train de progresser à pas de géant. Talonné littéralement par James Ross. Et derrière Matteo Poloni, le pilote italien qui a subi ce groupe devant puisqu'il est pointé à la 15e position. C'est bien revenu également pour Mathieu Van Poudrinck, c'est en tout cas pas mal. Et bien sûr qu'on déplore l'absence de Luis Gonzalez qui aurait dû se mêler à cette plus pour les toutes premières positions. On rappelle qu'il est sorti assez violemment dans le premier tour. Et Guillaume Savoldelli et sa attaque derrière. Ouf, contact. Ah là 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 là, dommage. Et là j'ai peur que ça ira pas jusqu'au bout, hein, parce qu'on a vu une fumée inquiétante. Ouais. Et c'est le jeune Ross qui a accroché Kevin Gymnase ou le contraire. C'est quand même assez fort là, hein, le choc, on va revoir, mais... Ouais. Voilà, c'est au... Voilà, ouais, non, là, c'est... Kevin, en fait, a coupé la trajectoire normalement. Il n'a pas vu Ross qui attaquait. Il n'a pas vu Ross qui arrivait et malheureusement, ça a fait contact. Ça a fait contact. Ce qu'on espère, c'est que ça va aller jusqu'au bout, mais voilà. C'est pas gagné, hein, parce qu'il va rester seulement 30 secondes et un tour. Alors, bien entendu, ces derniers kilomètres vont être... difficile. Difficile et long, très difficile. Ouais. C'est jamais facile, hein, vous me direz, mais c'est comme ça que c'est bien. C'est pour ça que tout peut se jouer dans jusqu'à la dernière seconde, même le premier peut arriver quelque chose. Donc c'est bien de voir une course jusqu'au bout. Et regardez David Pouget qui continue d'attaquer. Lui, il ne baisse pas sa garde. Il veut garder, je pense, cette dynamique pour demain, pour les qualifications, puisque demain sera un autre jour. On repart à zéro, hein, parce qu'on refera des qualifs pour la course 2.
Et là, pour le moment, Jurado va, à mon avis, avoir de très fortes chances d'en remporter cette épreuve. Je ne pense pas que Nicolas Milan aille le dessaisir de cette première position. La troisième place qui pourrait rester également au crédit de Thibaut Boussy. Et drive-through pour la voiture numéro 4 de Ross. Aïe, aïe, aïe. Donc, ben, il va être déclassé, tout simplement. Hein. Ça, ça revient à ça. Je pense qu'il devrait savoir la raison pour laquelle il va recevoir cette pénalité. C'est vrai qu'il a... un petit peu optimiste, on va voilà, parler comme on va dire, on va dire ça, un petit peu optimiste. Final lap, voilà. Dernier tour. Dernier tour, on y va. Le tour, je pense, le plus long. C'est vrai qu'on se le dit. Hein. C'est... Mais regardez, les écarts sont quand même faits maintenant. Oui, là, maintenant, c'est fait. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, je vous trouve pessimiste, là. Non, pas pessimiste. Non, je pense que Jurado a course gagnée. Ouais, franchement, oui. Il l'aura fort mérité, sans souci. Anthony Jurado. C'est envolé. Ouais. Qui, à un moment, avait perdu pied et qui s'est repris très, 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 très vite. Nicolas Milan va terminer à la deuxième position de cette course. Et la troisième place, alors là, c'est un petit peu moins certain. Alors qu'on voit James Ross, visiblement, qui continue de causer des problèmes à pas mal de monde. Là. Et une voiture qui est allée taper dans les murs. Hein, parce qu'il y a pas c'est de le mur, il n'y a pas de pneu là, donc c'est le mur. Ouais, là, c'est plus raide, plus dur. Et voilà les derniers kilomètres, les derniers hectomètres pour ce groupe de tête. Et on peut imaginer là aussi, bien entendu, la joie hein, qu'il va falloir partager à la fois pour le team Milan Compétition, parce que faire un doublé, ben, ma foi, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. Et Thibaut Boussy qui va terminer à la troisième position, peut-être. Peut-être. On va attendre quand même. Le dernier virage. Le dernier virage. Alors ils sont là, ils sont à la relance dans cette descente du lycée. Parce qu'ils sont quand même, mais bon. C'est fait, c'est fait pour Thibaut Boussy. Et bien fait d'ailleurs. On a entendu du bruit bizarre là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais... Ouais, et là je pense qu'il y a une voiture qui a dû freiner très tard et faire un blocage de roue. Allez, la victoire, mesdames, messieurs. Anthony Jurado, magnifique devant Nicolas Milan et Thibaut Boussy. Le gros coup, il est double finalement. Hein. David Pouget, Dorian Gudelfels qui vont ménager des gros points. Des gros points et Dorian, oui, est bien remonté. Et ça, c'est ça qui est top. Tout en restant propre. Donc tout est à faire et refaire pour les trois courses qui nous restent pour cette saison 2019. Marianne, voilà. Vraiment, on s'est régalé. On va bien sûr vous souhaiter beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et ça revient à nous les souhaiter à nous aussi parce qu'on a vraiment envie de voir des femmes dans le sport auto. On se dit bien, à plus tard dans cette journée ou à demain. Tout à fait, à demain. Allez, rendez-vous maintenant pour le protocole podium qui sera quadruple puisqu'il aura à récompenser la France, l'Espagne, les gentlemen et les juniors. À tout de suite au podium et on retrouvera en musique évidemment les meilleurs moments de cette épreuve.
Allez. Et alors? Yes. Ah, c'est pas mon cœur. T'as soudé là. Anthony. C'est Jacques. Ouais, ouais. Moi aussi, je perds. Ton speaker, il est où? Il va arriver, Jacques. Ouais. Allez, on va y aller pour ce podium qui va être quadruple en fait si on s'invite à préciser une nouvelle fois que le championnat espagnol était également en jeu ici. Et inviter le troisième au classement général à venir nous rejoindre, c'est Thibaut Bossy. Bravo Thibaut, très très belle course, superbe.
La deuxième position, Nicolas Milan. Nicolas Milan, second, et quel second magnifique, il était en pole position. Et puis la victoire, chers amis, Anthony Jurado, qui la retrouve et qui renoue. Bravo, Anto. Alors, on va demander à un représentant de Milan Compétition de venir nous rejoindre. Allez-y, si c'est vous, bravo. Et puis, invité également, il y aura un podium à pleine marche. C'est Edwin Trénard qui l'emporte en junior. Bravo, Edwin. Allez, pour célébrer cette victoire comme il se doit, nous allons écouter l'hymne national. Merci, merci beaucoup à la régie. Applaudissements, mesdames et messieurs. Et nous allons récompenser, comme il se doit et comme à l'habitude, ces pilotes des mains de monsieur Charles Mestelman, qui va représenter les couleurs BRM, notre partenaire, avec les belles montres qui sont exposées naturellement dans les paddocks. On invitera à la suite de cela Julien Vial, qui va représenter les couleurs Michelin en tant que responsable des produits compétition, à aller récompenser le second de cette épreuve. Pour ce qui concerne évidemment le leader, on invitera monsieur Benoît Naugier, directeur commercial Renault Sport Racing, à s'emparer de ce trophée de leader. Voilà Benoît qui nous a rejoint, merci. Benoît qui va récompenser également le team. Et puis, on invitera, bien entendu, également, pour récompenser le meilleur junior, Benoît également, qui va donc être associé à ce podium et ses remises de récompense. Merci à vous. Ah, quelle course! Quelle course! Et le championnat reste vraiment, vraiment très, très disputé jusqu'au bout. Ça sera le cas, évidemment, demain. Ce sera le cas également au Paul Ricard pour la grande finale. Et on ignore complètement qui va l'emporter. Tant mieux. Génial.